Worstelen, is het topsport of gewoon geacteerd spektakel zoals de catch-shows die in Vorst Nationaal zijn gepasseerd? Het zijn shows die behoorlijk Amerikaans aandoen, maar tegelijk is worstelen ook een Olympische discipline die een harde training vraagt, zeggen ze bij de worstelclub Brussels Young Wrestling Style. Een verslag? Dat is de sport, de eerste, want als je kan niet vallen, je kan niet katje doen. Als je kan niet klimmen, doen, je kan niet katje doen. Als je kan niet springen, je kan niet katje doen. Dan moet je eerst een sporttype zijn. Dan is komen spektakelen. Ik vind persoonlijk dat niet goed. Als bijvoorbeeld neem de stoelen op de hoofdbehandel slagen. Of de broek van ander trekken en deze dat ze niet ons, we doen niet dat. Hè. We blijven bij sport, we blijven in de sport, maar niet de dingen, dat ze bijna domme dingen. Hè. Well, everything that revolves around sports and entertainment is dangerous. Bonjour, bonjour chers internautes, vous qui nous suivez sur www.rmctv. Aujourd'hui, en principe, nous avons un grand événement que nous devons vous annoncer dans notre plateau. Mais nous allons commencer d'abord par la triste nouvelle qu'aujourd'hui, nous avons appris la mort de Papa Kanza. Nous avons appris la mort tragique d'un grand. Quand je dis un grand, il est grand par sa taille, mais un grand dans le monde de catch. Il s'agit bien de Kanza Irsis. Il s'agit bien de Kanza Irsis. Où est-ce que ça va plaisir, Boyebi? Triste nouvelle qui vient de tomber ce matin, la disparition tragique de Papa Kanza. Moi, j'ai appris la nouvelle. Je suis venu ici présentement au siège de BYWS. Pour rencontrer le maître Shaolin. Maître Shaolin qui a connu Papa Kanza depuis Kinshasa jusqu'ici en Bruxelles. Donc je vais appeler Maître Shaolin qui n'est pas présenté aujourd'hui, champion intercontinental. Lui qui a connu Papa Kanza depuis le pays. Il va un peu nous parler de Papa Kanza. J'appelle Maître Shaolin qui peut venir me joindre à moi pour essayer de parler pour le public. D'ici en Europe, au Congo, partout ailleurs, les gens qui ont connu Papa Kanza Irsis, il vient de nous quitter ce matin. Ce sont des choses sérieuses, on doit en parler sérieusement. Donc ce ne sera pas debout, je vais faire asseoir mes invités ici pour parler de Papa Kanza d'abord. Parce qu'on a un grand événement que je vais vous annoncer qui est derrière moi. Vous voyez ici, il y a la Fiesta Latina. Là je vais en parler avec mes invités assis. Mais pour l'instant, je les invite d'abord à rentrer sur le plateau. Merci. Bienvenue, chers internautes, vous qui nous suivez sur www.rmctv. Je vous ai annoncé, aujourd'hui, nous sommes présentement BYWS. Mais on va commencer d'abord par la triste nouvelle qui vient de tomber ce matin. Comme je vous ai annoncé, la disparition de Papa Kanza Irsis. Papa Kanza Irsis, un grand catcheur de notre pays, RDC, qui vient de nous quitter ce matin. Alors je me suis déplacé jusqu'ici pour rencontrer Maître Shaolin, qui l'a connu au Congo, et ici, il peut nous parler de Papa Kanza Irsis. On va d'abord commencer par se présenter dans notre plateau, parce qu'il y a des noms qu'on ne connaît pas ici. Les invités vont se présenter, et puis on va commencer notre séance. Je commence d'abord priorité aux dames. Merci, monsieur. Moi, je suis Marès Boulogneux. Je suis un des managers de BYWS et de Spelers van de Ring. Et à côté de moi, il y a le champion. Tout le monde me connaît, Caïman Colorado Junior. Donc voilà.
Ben, c'est Shaolin. Voilà, moi je suis Thierry, ben, je suis un petit peu chargé de presse. Mar. Renaud. Maïva. Sammy Blaise. Père Doublet, peut-être confiance à Jésus. Bien, vous avez entendu toutes les présentations. Je commence d'abord par dire bonjour à Maître Shaolin. Bonjour. Soyez les bienvenus encore. Merci beaucoup. Si je suis là présentement, c'est pour parler de Papa Kanza Irsis. Toi, tu l'as connu au pays. Il y a beaucoup de fans ici à Bruxelles. Les gens se demandent, est-ce que vous avez une idée à ce qui concerne la disparition de Papa Kanza? Oui, la nouvelle m'est tombée vers 11h30, midi par là, parce qu'il est mort au matin. Ben, il était hospitalisé depuis la semaine passée suite à une crise cardiaque et puis insuffisance rénale. C'est ce que j'ai entendu comme information. Je ne suis pas encore allé sur place parce que j'attendais que ce soit quelque chose de clair. Parce que maintenant, annoncer la mort de quelqu'un, il faut avoir beaucoup trop de réserves. Parce que parfois, il y a des gens qui jouent à ça. Parce qu'il y a quelques temps, je vais vous rappeler vite fait qu'il y a eu quelques Congolais qui ont joué à ça. Ils ont annoncé la mort de ce vieux-là. Ben voilà, donc c'est normal qu'on ait beaucoup trop de réserves par rapport à ça. Mais maintenant, c'est confirmé qu'il est mort. Il est mort ce matin. Et le programme vous sera donné d'ici là. Donc voilà. Merci, vous l'avez bien entendu. Donc, Papa Kanza est décédé ce matin suite à une maladie. Donc, toute l'équipe de Fumbwa LG présente des condoléances à sa famille biologique et à la famille sportive de Papa Kanza. Je salue encore le ministre du Sport. Donc, pour aller un peu vite, vous avez connu Papa Kanza où et quand? Papa Kanza, je l'ai connu au pays, comme catcheur, comme un vieux. Ça, c'est les aînés. Donc, ils ont fait du catch avant nous. C'est un catcheur des années 70, 70, quelque chose comme ça. Donc, c'est un vieux. Donc, c'est vraiment un vieux. Mais voilà. Et nous, on a suivi ce pas-là. Donc, moi, je l'ai connu sur le ring, je vais dire. C'était en 82, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, c'était le premier match que j'avais fait contre Papa Kanza. Et j'ai perdu ce match-là parce que ça, il faut le savoir, que c'était un vieux. Qui était très très fort avec l'histoire de mettre les doigts dans le nez des autres, tout ça. Nous, on était encore des jeunes, tout ça. Et donc, j'avais perdu ce match-là. S'il y en a qui ont une bonne mémoire de Papa Kanza, ils peuvent se rappeler de ce catcheur-là qui a ramené beaucoup de catcheurs, des jeunes catcheurs à l'hôpital, en fait. Je me rappelle les envahisseurs. Mais voilà, il y en a un qui est même décédé. Après il y a quelques temps, après le match, je vais dire. Donc c'était un vieux qui était très très fort. Parce que dans l'histoire du catch, c'est le seul qui parvenait à soulever une voiture sans clic, en fait. S'il veut changer de pneu, voilà, il peut soulever une voiture par derrière. Comme ça, il soulève. Parce qu'il était très très fort, en fait. Donc moi, je l'ai connu sur le ring. C'était en 82, si je ne me trompe pas. En ce moment-là, j'étais encore trop, 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 trop jeune. Et ben voilà. Donc, ça fait partie de l'histoire de Papa Kanza. Après, on est venu ici en Europe avec l'invitation de Kokar Masakuba, qui doit être triste, en fait, quand il entend cette nouvelle-là. Parce que il y a quelques temps, il y a 3 ans passés, j'avais pris l'initiative d'organiser une kermesse et je l'ai invité. Et le vieux, il était là. Les images, je vais vous donner les images. Lukumba simpula imbula Kanda mwaso matela mene kwa jese Lukumba simpula imbula Kanda mwaso matela mene kwa jese Sikela ukwangi mama wakwikila ndinga zambi Wasambuka kuna zulu
Je l'ai invité parce que dans ma tête, je voulais faire ce qu'on appelle un jubilé pendant qu'il est encore vivant. Mais un vrai jubilé, pas n'importe quoi. Vraiment un jubilé digne de son nom. Voilà. Vieux Kanza. Mon ami de Otuna. Mais vieux Kanza, vieux Kanza, vieux Kanza, vieux Kanza. Donc, vieux idées allées. Il y a jubilé. Oui. Il y a jubilé. Je vais aller qui te montre que non. Mais vieux, tous en ailleurs. Pourquoi tu veux que tu te parce que tu as dit 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 parce que tu as dit que tu as dit que tu as dit que donc tu as dit que tu as dit que très bien dit que tu as 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 dit tout le monde presque maintenant se trouve basant d'accord ah oui mais on a vie était bon on a vie est-ce que vraiment nini mais sur nini mais tout ça les camboana même vie cocar ils ont intéressé ma case vie joski qui a beaucoup ta ah on ah ce qui nous allait on prend un canza ah t'es mon colora et vous en avez besoin c'est maintenant belle ma vie mini alors c'est plein d'angos tout ça là bas tout le monde va bien bah on va y aller bah on va dire ah mais bon ça là ce bon ça les pour la vie mais tout ça les logoté sans que tout le monde ait été voilà quoi. Donc il y a maintenant dans la salle qui forme bino cabo tout ça les fort hein donc il est de nous parce que besoin de voir comment on a vie tout le monde a vie tout solo là la bengi bah on a benga qui la réponse pezali voilà c'est quoi yo yo mutu mukolo makabo parce que il désali soit na Kinshasa on est logo ya monnaie n'est pas na boleka soit awa na poto ce qui te cause engagement à Kinshasa c'est à dire il faut un accord na yo ce qui te cause engagement y a nini ya qui ya nini ya poto. Mais encore, nous avons ça quand tu cherches ma fiche publicité et bon moi puis vient quand on comme maintenant il y a pas qui t'était. Il est au salaire. Donc on a tous un boy sur idées à l'idée moi donc voilà. Moi, il y a un gars sinon tu connais comme pas vieux tout sur les cambons vraiment avec tous les sérieux tout ça sérieux surtout. Comme ça tu peux programmer l'année prochaine. Tu viens ça va battre une chose parce que nous sommes travailler. Tu rappelles ce chose moi paye ma tous un nous tous quand ça nous trouver au salaire moi. Je pense qu'on va faire quelque chose donc c'est pour ça. Et c'est pour ça que je l'ai invité et tout ça. Bon, allez, les autres, ils ont fait ça à leur manière. Mais j'ai voulu vraiment faire ça avec l'apport des autres aussi. Mais vraiment un jubilé, quoi, digne de son nom, de Papa Kanza. Mais voilà. Donc, si c'est pas, je vais parler de l'histoire. Ici, en Europe, il n'a pas fait beaucoup de matchs. À peine, je crois, deux matchs qu'il a fait. Organisé par Kokar Masakuba, bien sûr, qui était le promoteur. Et... plus jamais il n'est plus monté sur le ring parce qu'après c'est la maladie et tout ça donc il commence à souffrir maison de repos et ainsi de suite donc mais voilà aujourd'hui il n'est plus là donc ça c'est l'histoire de Papa Kanza voilà. Merci bien Maître Charolin. Bon, nous allons essayer de clore ce chapitre pour entrer directement dans le vif du sujet, mais à travers cette émission vous verrez des images de Papa Kanza que je vais vous mettre à travers cette émission. Vous verrez son débit et les combats qu'il a fait au Congo et ici en Europe. Je mettrai à travers cette émission. Présentement, j'ai reçu un coup de fil, comme vous avez dit, de passer ici, parce qu'il s'agit bien de
Fiesta Latina et puis vous préparez Big Impact. Je peux ajouter quelque chose. On dit à tout seigneur, tout honneur. Je voulais lancer un appel au ministre du Sport, Denis Kambay, puisqu'on vient de là. Il y a quelques temps, on était là. Avec l'effort qu'il est en train de faire sur le sport, je parle de Denis Kambay en tant que ministre du Sport, pas autre chose. Donc je voulais lancer un message, un appel au ministre, d'essayer de voir, parce que l'idée avec les amis, je viens de parler avec Léon tout à l'heure, l'idée avec les amis, c'est de rapatrier ce corps-là, comme ça il soit pleuré là-bas, comme un grand catcheur, parce que c'est quand même un grand. Franchement, si on parle Shaolin le Grand, moi je suis petit par rapport à vieux Kanzala. Donc il est trop grand, donc il faudra que le ministre voie là-bas, parce que nous on peut faire un petit effort ici, faire des cotisations, rapatrier le corps, mais le reste, c'est peut-être le ministre qui peut faire ça. Nous on va essayer ici. Ben, si ça ne va pas, parce que ça va coûter quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Et voilà s'il peut nous aider dans ce sens-là. On l'a fait pour des musiciens. Voilà, parfois quand on dit ça, les musiciens disent qu'on est jaloux d'eux, mais ça n'a rien à voir, parce qu'on est vedettes tous ensemble. C'est des gens qui nous regardent à la télévision, ce musicien-là, et comme nous aussi on les regarde à la télévision. Donc on est vedettes. Donc je pense que pour Papa Kanza, si le ministre peut faire quelque chose, je pense que ça sera quelque chose de positif. Donc voilà, c'est ce que j'allais ajouter. Merci. En tout cas, félicitations, M. Charolin, vraiment, d'avoir cette idée-là de rapatrier le corps de Papa Kanzo Congo. Vraiment, c'est une bonne idée. Moi, je n'avais même pas cette idée-là, mais maintenant, là, je me joins à vous. Vraiment, c'est une bonne idée pour notre ministre de la Culture de pouvoir faire un effort avec les autres autorités pour rapatrier le corps de Papa Kanzo. Ça sera vraiment quelque chose de bien parce qu'il mérite ça. Merci. À ce qui concerne maintenant l'invitation d'aujourd'hui qui parle de Fiesta Latina et Big Impact. On avait vu Big Impact 3. Maintenant, nous entendons maintenant de faire une réalisation de Big Impact 4. Alors, je passe le micro à Maryse. Merci. Oui, donc fin de l'année, et on va avoir une grande gala à Catch à la Belge avec les trois communautés bien représentées. Donc ça veut dire les Bruxellois, les Flamands et les Wallons. Et bon, tout le monde sera là. Tout le Belgique sera là. Ça va être une énorme confrontation. Big Impact 4, c'est pas pour rien qu'on dit Big Impact, parce qu'il y a vraiment tous les poids lourds qui s'affrontent. Et naturellement, il y a un très très grand champion. Il porte la ceinture depuis dès le début, en fait. Il a gagné tout le monde, en fait. Et maintenant, on est très fiers qu'il est rentré aussi de Congo. Et on est tellement impatients d'écouter toutes les histoires. Merci, Maryse. Mesdames et messieurs, nous avons ici un grand champion. Il vient fraîchement du Congo. Il s'agit bien de Kaima Colorado. Bonjour, Kaima. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre excursion au Congo? Ouais, parce que voilà, j'étais ici avec la ceinture. Je vois qu'il n'y a personne qui peut me battre. Pourquoi pas tantôt au Congo, mais je suis parti au Congo, tous les catcheurs se sont cachés. Ça je peux te le dire, tous les catcheurs se sont cachés. Et je vois qu'il y a deux Dupont qui se sont présentés. Mais je ne pouvais pas mettre la ceinture. Qui l'aurait eu? Ça le problème. Et du coup, pendant le match, mais tellement j'étais rapide, c'est un catcheur qui dit que voilà, on ne pouvait pas le mettre dans un match à un contre un, qui était trop rapide. On sait qu'on ne va pas avoir la ceinture. Et du coup, ils n'ont pas pu assumer. Il y a un qui a volé ma ceinture. Mais je crois que c'est le complot de Shaolin, ça. Ouais, ça, c'est son complot à lui, parce qu'il a déjà ses rancunes avec un qui était sur les rings, là. Et c'est la même personne qui s'est vengé, il a volé ma ceinture. Mais par la grâce de Dieu, le ministre, il a fait de tous ses efforts. Il avait retrouvé la ceinture. Donc voilà, je préfère le cacher à la maison parce qu'on ne sait jamais. Parce que les Congolais ici en Belgique, ils peuvent le renvoyer là-bas. Ouais. Donc je préfère le cacher à la maison. Normalement, les ceintures, on les mérite. On ne les vole pas. Ça, c'est ça que j'avais demandé aux autorités. Si vraiment ils voulaient la ceinture, on pourrait me mettre dans un match un contre un, mais avec des conditions qu'il faut. Mais il n'y a pas un catcheur qui peut assumer un match au contre un contre Caïman là-bas au Congo. Ça, je peux vous le dire. C'est comme si Ali a débarqué au Congo, en fait. Il n'y avait pas un boxeur digne de se mettre face à Ali. Donc c'est la même chose. Il n'y a pas un catcheur qui peut se mettre face à Caïman. Bon, à part le match, séjour maintenant au Congo, vous a plu?
Ouais, ça va, à part quelques jalousies de certains que je ne peux pas citer de nom. Mais sinon, ça va, ça s'est très bien passé. Bon, on m'a bien accueilli et je vais pas rajouter d'autres commentaires parce que voilà, ça, il y a eu trop de prises de tête aussi. On en parle plus tard. Merci. Je passe maintenant les micros pour qu'on puisse nous parler de Fiesta Latina. La Fiesta Latina, ça c'est quelque chose qu'il faut absolument pas manquer. Hein. C'est vraiment l'événement bruxellois et même belge. Hein. C'est la chaleur, c'est les belles filles, c'est les mojitos. Et puis il y aura des matchs de catch là avec tous ces gens là derrière. Là, j'espère qu'ils vont faire quelque chose de bien. Hein. J'espère qu'ils vont se démener sur le ring pour nous offrir un beau spectacle. J'espère vraiment. Et alors j'espère qu'on va te trouver quelqu'un là qui va pouvoir t'affronter. Hein. On va trouver quelqu'un, tu vas voir. Si je peux commenter par rapport à ça, donc on se réserve un tout petit parce qu'on ne connaît pas le classement. L'affiche, donc le match phare, il n'est pas encore connu. Donc vous attendez le moment M, ça sera dévoilé devant tout le monde. Mais pour l'instant, je dis bien, il y a des combats phares, hein, des combats, allez, des main events comme on dit en anglais, tout ça. Ben vous attendez le moment M, vous serez informé pour ça. Ben voilà. Ben quant à moi, parce que vous avez parlé tout à l'heure de je reviens un tout petit peu en arrière, de Kinshasa, ben j'avais dit à certains, moi j'ai dit, bon, je vais voir un peu Caïman s'il a un petit niveau, quoi, parce que là-bas, les catcheurs, il y a des catcheurs. Je voulais les tester, comme ça ils souffrent un peu à la congolaise là-bas. Mais je pense qu'il a compris. Il a compris que quand on est entraîneur ici, on est passé dans beaucoup de choses. En fait, je suis un peu triste par rapport au truc de Papa Kanza, mais je parle quand même de quoi, de notre passage au Congo là-bas. J'avais bien voulu vous inviter, vous autres. Thierry, ici, tu veux être là aussi pour voir un peu comment ça se passe. Et surtout, Marès. Hein? Voilà. Qu'elle fasse un petit tour là-bas au Congo. Et qu'elle voit aussi ses impressions par rapport à comment ça s'organise là-bas au Congo. Mais ce n'est pas fini, puisqu'on croit, on croit à ce ministre-là par rapport à ce qu'il est en train de faire pour le sport. Ben, je pense qu'il y a moyen d'inviter des vrais professionnels, allez, pour quelque chose de très, très, très sérieux, à haut niveau. On peut faire 10 fois plus que ce qu'on a fait là. Il y a moyen. Et ben voilà, donc Marès, tu pouvais être là au pays, ben, mais c'est dommage que ça n'a pas été fait. Et voilà, je voulais te passer le micro pour voir un peu tes impressions par rapport à ça. Voilà. Oui, voilà. D'abord, je voulais dire que j'ai suivi de mon Facebook à chaque jour que vous étiez là. J'ai regardé les photos et les nouvelles. Donc, même si je n'étais pas là, chaque jour, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et j'étais super fière de voir le fungolageux et comment tout le monde était là. Et voilà, c'est... Un jour, j'espère que ça, qu'on peut y aller tous et avec les autres catcheurs qui méritent, comme Caïman. Maintenant, Caïman a battu tout le monde pour l'instant. Donc, il faut qu'on lui prévoie un bel impact. Et avec les résultats de ça, oui, on espère de trouver les fonds aussi pour ajouter, pour aider avec ça, parce que ce serait un grand rêve, oui, de venir au Kinshasa, que Maître Shaolin nous a raconté tellement. Là-dessus, et voilà, on a tellement hâte de découvrir ça, ça a l'air magnifique. Et oui, merci. Ok, l'invitation est lancée pour notre ministre de la Culture et tout le ministre des Sports et Loisirs et toutes les autorités du Congo. Quand on est ici en Europe, nous sommes venus ici pour s'intégrer. Il y a des cultures différentes ici. Maintenant, ils veulent maintenant rencontrer notre culture. Donc, c'est le moment où on a notre ambassadeur ici, Maître Shaolin. Il a déjà été au Congo, il a vu la source. Maintenant, l'invitation est lancée. Si prochainement, il peut faire quelque chose de sérieux, alors comme ça, on invitera toute l'équipe de BWS, de Temple 6 Massano, de descendre au Congo. C'est question d'organisation. Je pense que c'est le micro, Maître Shaolin. Je voulais juste rajouter qu'il n'y a pas que la BWS, il y a aussi les autres catcheurs qui sont ici, de la diaspora. Il y a des bons, mais qui se cachent quelque part. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de promotion ni rien du tout. Et bien voilà, il n'y a pas que nous, il y a aussi les autres. Donc si on peut penser
à faire descendre tous ces gens-là pour le catch, pour le judo, pour le karaté, pour la lutte, pour le jiu-jitsu, pour aller tout ce qui va avec. Et ça nous fera plaisir. Donc il n'y a pas que nous, il y a aussi les autres. Mais organisation, parce que nous on est organisé, on est un club organisé, on est une fédération organisée. Et ben voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit que si les choses se font professionnellement, on est content. Parce qu'il faut que ça soit vraiment professionnel, des organisations comme ça. On va. Parce que je vais vous raconter un truc, hein, là on a souffert un tout petit peu, parce que je sais pas, vous allez regarder bien le match, le ring c'est un ring de quatre cordes, et ça c'est pas un ring de catch, c'est bien un ring de boxe que le fils de Mohamed Ali a envoyé au pays là-bas. Ouais, pour son père, parce que son père il a fait du catch là-bas. Et c'est pour ça que nous on était là. C'était en mémoire de Mohamed Ali qu'on nous a invités, parce que ça c'est un grand nom, pas seulement boxeur. Mais il faut voir le type, qu'est-ce qu'il a travaillé. Il a fait ce qu'on appelle l'humanisme, en fait. Il a travaillé dans l'humanisme. Et ben voilà, et c'est pour ça que c'était intéressant que nous, on participe dans cette compétition-là. Donc, on était là pour ça. Alors, son fils a envoyé un ring de catch, de boxe plutôt. Mais ça, c'est un ring de boxe. Donc, ce n'est pas un ring de catch. Donc, on avait difficulté pour s'exprimer aller professionnellement, pour faire les jeux de corps, de tout et tous ces genres de choses. J'ai dit à Caïman, il faut faire attention, il ne faut pas que tu rentres dans le truc, parce que quand le public va commencer à t'applaudir, parce qu'ils vont t'applaudir, évidemment. Tu vas oublier que le ring, il n'est pas adapté au catch, et tu vas commencer à chercher à faire des choses, peut-être que tu vas te faire mal. Donc ça s'est passé comme ça. C'est pour ça qu'on voudra bien que ça soit un ring de catch. Nous, on a ici, hein, donc on peut toujours le déplacer là-bas. Et c'est un ring professionnel, et ben voilà, on peut faire du catch avec ça. C'est pas le ring, il n'y a pas que ce ring ici, parce qu'au pays, j'avais envoyé, moi et Zappi, on avait envoyé encore un autre ring là-bas. Mais je ne le vois pas, donc voilà, ça c'est aussi un ring professionnel, semi-professionnel. On pouvait catcher avec ce ring-là, mais dommage qu'on n'a pas vu ça. Alors nous qui étions, qui avons travaillé en fait du catch et tout ça, parce qu'il y avait beaucoup de disciplines, on était obligés de monter sur ce ring de boxe. Alors, mais on sait s'exprimer parce que comme on a l'expérience, et puis ben voilà, donc voilà, on est rentré quand même dans le jeu pour faire un petit beau match, on va dire comme ça. Donc parmi les meilleurs matchs, il y avait ce match-là. Mais ça, c'était rien, parce que s'il y avait ce ring de catch, je ne sais pas si les gens ils pouvaient s'asseoir sur des sièges, parce qu'ils allaient se mettre debout tout le temps, comme à l'ancienne époque. Donc voilà. Ben, voilà, donc je vais peut-être passer le micro à une autre personne par rapport à autre chose, et voilà. Une chose que tu as dit. Ben, qu'est-ce qu'on peut dire? En tout cas, oui, moi j'ai vu un petit peu les images. Il y a du monde là-bas en Afrique, hein, parce que bon, ici en Belgique, on a du monde bien sûr au catch, mais on ne peut pas comparer. Hein. Je crois qu'on peut ajouter un zéro derrière. Hein, donc c'est vraiment chouette de voir tant de monde qui se déplace. C'est formidable. Hein, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de catcheurs ici à Bruxelles qui pourraient faire un très très beau spectacle là-bas en Afrique. Je crois qu'on pourrait vraiment, les enfants, les adultes, tout le monde pourrait être vraiment très très content si on se déplaçait un jour. Et voilà, ça serait formidable. Donc, bonsoir, moi c'est Reno. Je suis catcheur à la BYWS. Et je voudrais juste vous rappeler donc les dates donc de Fiesta Latina et de Big Impact 4. Et je voudrais juste rappeler quelque chose au champion, à Caïman, parce que tu as dit tout à l'heure, tu sais que moi j'ai beaucoup de respect pour toi. Et tu as dit tout à l'heure que personne ne t'avait vaincu pour ta ceinture, que personne n'était capable de prendre ta ceinture. Mais il y a des mecs que tu n'as pas encore affrontés ici et qui sont peut-être capables de te la prendre. Donc, ne sois pas trop prétentieux, entraîne-toi bien. Je ne parle pas spécialement pour moi parce qu'il y en a d'autres, mais entraîne-toi bien. Donc 26, 27, 28 août, ce sera la Fiesta Latina et on vous donne rendez-vous pour cet événement. Voilà. Tout près du bois de la Cambre, exactement. Caïma Colorado, c'était prétentieux de dire qu'il n'y a personne ici. Moi, j'étais ici derrière, mais j'entendais le souffle. Est-ce que tu as une réponse à donner? Je sais que je fais souffrir beaucoup de gens. Dis donc, j'ai affronté Hulk, ça c'est pas un petit poisson. J'ai affronté Samson, c'est pas un petit poisson. Il y a eu qui encore? Ah, il y a eu des Allemands. Ça, je peux pas. J'allais mettre Achille dans ma liste, mais vas-y. Il a perdu les titres avec les Allemands. Et c'est l'Allemand que j'avais battu pour les titres. Le Mambo Leo. Lui, il a eu sa chance au Big Impact parce que je peux dire que j'étais malade. On ne bat pas le champion facilement comme ça. Donc, c'est aussi un bon technicien, mais.
Voilà, si je suis revenu de l'Afrique le plus vite possible, c'est pour me préparer pour le truc, Fiesta Latina. Donc voilà, je suis venu me venger de beaucoup de gens, de tout ce qui s'est passé. Il y a Achille, il y a Mambo, évidemment. Et il y a Shaolin qui m'a fait perdre beaucoup de matchs ces jours-là, parce qu'il était avec moi en équipe. Il ne faisait pas attention, il était tellement dans son monde de technique, mais il ne savait pas qu'on était avec des tricheurs. Donc on a perdu ces matchs-là. Et moi, je suis venu me venger. Si faut le faire seul, je vais le faire comme Rambo seul. Non, mais là vraiment, moi, j'interviens parce que moi, j'ai suivi le match de Kinshasa. J'ai suivi le match. Toi, tu étais là avec la bénédiction de ton père, la bénédiction de Shaolin. Mais dire que Shaolin vous a abandonné, ça m'étonne. Non, il ne m'a pas abandonné, mais ce n'est pas la première fois. Fiesta Latina, pour ceux qui ont suivi. Deux secondes. Pour ceux qui lisent la Bible ou je ne sais pas moi quoi, vous vous rappelez de l'histoire de Dieu, le Père et le Fils. Mm-hmm. Pour moi, c'était une façon de te livrer pour voir un peu si tu étais capable de faire des choses. Voilà, donc je t'ai livré, ça c'est normal. Comme ça, tu ramasses des chaises, tu ramasses des coups de chaise, tu ramasses des bâtons, tout ça. Et bien voilà, moi c'était ça en fait, pour voir est-ce que c'est vrai, est-ce que le jeune, est-ce qu'il a vraiment, vraiment, vraiment grandi, tout ça. Ben, j'ai vu que tu as grandi, j'étais très content. Donc... faire attention, j'étais dans la technique, parce que moi, c'est dans la technique. Moi, je suis toujours dans autre chose. Je suis dans la technique et puis je reste dans la technique. Mais maintenant, pour que... Allez, à la fin, ce qui m'a découragé, c'est que l'arbitre... Ben, j'ai compris, parce que souvent, quand on va au Congo là-bas, ils nous considèrent comme des étrangers, hein, carrément, quoi. Donc, c'est des Européens, tout ça. Mais moi, je suis toujours Congolais, donc je ne sais pas. Et toi, je pense que tu es aussi Congolais. Mais quand on va là-bas, souvent, c'est pas la première fois, hein, ça c'est la troisième fois que ça m'arrive. Et que quand je monte sur le ring contre un Congolais, je suis considéré comme un expatrié carrément. Et vous allez voir l'arbitre qui doit être pour les Congolais. Parce qu'en fait, en lingala, on dit « Ezali Kambamabele ». Ils disent ça comme ça. Donc, c'était là pour protéger. Mais voilà. Donc, c'est ça qui s'est passé. Mais bon, voilà. On a perdu le match par disqualification parce que j'ai récupéré le bâton. J'ai juste récupéré les bâtons qu'eux, ils avaient en fait. Quand j'ai pris les bâtons, l'arbitre, il a profité de l'occasion pour dire « Ah oui, tout de suite, allez, il arrête le match ». Voilà, c'était pas normal, mais bon, voilà, ça c'est à la Congolaise, ça s'est passé comme ça. Et bon, on verra bien dans le futur comment ça va se passer, quoi. Mais je ne dis pas que ces catcheurs-là, non, c'est pas des nuls, hein. C'est vraiment des... Ouais, c'est Tomato, c'est King, The King. Et c'est quand même des catcheurs, assez très colosses, là, c'est très fort tout ça. Mais bon, ils avaient devant eux des gens qui sont plus forts, plus techniques, et ça, ce n'est que normal. Donc voilà, quoi. Donc c'est ça que je fais en fait. Mais au niveau des fédérations de catch là-bas au Congo, on doit faire un effort pour les arbitres. Parce que nous, on a suivi les matchs à distance, mais ce n'était pas un match perdu. Nous, on a suivi, ce n'était pas un match perdu. Vraiment, c'est l'erreur d'arbitrage. On devait faire même les recours pour corriger cette erreur-là. Vraiment, ça, c'est l'erreur. Quelqu'un qui tient le bâton et vous dites que le match est disqualifié, c'est vraiment l'erreur grave. Ça ne fait pas l'image de notre pays. Là, vraiment, on peut faire un recours pour corriger ce genre de erreurs-là. Mais on a suivi, quand tu as fait des prises-là, moi, je t'ai vu, j'ai vu Shaolin à travers toi. Tout ce que tu as fait là, dans les tours que tu as fait passer l'adversaire, moi, j'ai vu Shaolin. Vous étiez en bénédiction avec Shaolin. C'était un peu pour réveiller les Congolais. Parce que, voilà. Et il y en a qui entendaient Shaolin, mais. Il ne reconnaissait pas Shaolin. Parce qu'il était sur le ring, mais il n'y a personne qui le reconnaissait un peu. Parce qu'il fallait sa queue de cheval. Voilà. Mais comme il a vieilli, il n'y a plus de queue de cheval. Il fallait que je le réveille avec ses prises. Voilà. Comme ça, on reconnaît qu'il est vraiment avec moi. Donc voilà. En plus, s'il y avait un bon arbitre, tu allais finir le match en 10 secondes. Parce que moi, j'ai vu, tu as fait directement les tombées et l'arbitre n'a pas compté. Exactement. C'était ça, vraiment. Donc le match, tu allais finir dans 5 minutes. C'est vraiment la prise que tu as fait, on a compté, l'arbitre n'a pas compté. Ça c'est mon point de vue, j'ai vu ça. Exactement, donc voilà. Et je sais pas, l'arbitre il avait rien contre moi, je pense plutôt que c'était avec lui parce qu'il part plusieurs fois là-bas pour faire des combats. Et là c'est rancune avec des catcheurs et des arbitres parce qu'ils tapent tout le monde sur le ring. Et du coup l'arbitre qui s'est retourné en contre moi, je fais une ceinture arrière, tellement je sais pas si la prise ça l'a dépassé ou il l'a jamais vu ça. Et il me regarde comme ça pour compter. Mais quand les autres font un tombé, c'est direct 1, 2. La prochaine fois, je crois qu'on va ramener un arbitre d'ici. Voilà, il faut vraiment un arbitre d'ici. Vraiment, Shaolin doit des réponses. Ce n'est pas moi de répondre. Il y a le manager, il est là.
En tout cas, la prochaine fois, on sera tous là avec toute notre équipe. Donc, il n'y a plus rien qui va nous échapper. S'il y a des bâtons et tout, moi, je serai là aussi. J'ai aussi une grosse voix, en fait. Et voilà, je vais faire tellement la folle que ça va s'arrêter, ce truc avec des bâtons, parce que nous, on promotionne une catch vraiment technique. Et c'est notamment les Congolais qui nous montrent ce que c'est le catch. Donc, si on va au pays, en tout cas, on va être plein d'admiration, mais aussi, on va bien se faire entendre s'il y a des choses comme ça. Parce que, oui, comme ça, ici, s'il y a un truc ici, on commence tous à crier. Je ne sais pas comment ça s'est passé là-bas. Merci Marise. Charolin, si vous pouvez juste faire un petit résumé de cet événement et de Fiesta Latina et de toute la cérémonie de Big Impact 4. Ben, s'il faut résumer, donc voilà, il y a le 26, le 27, le 28 août, Fiesta Latina. Tout à l'heure, vous allez voir l'affiche, okay, pour les main events, tout ça. Mais je suis aussi dans ça. Je vais faire un petit match, je dis bien un petit match. Mais dans Big Impact, je vais faire un grand match. Ça, je vais faire un grand match. Je vais vous montrer que... Parce que Caïman qui dit... celui-là, il est trop vieux, il fallait que... Mais non, mais ça, c'est ouais, une façon de parler. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils n'arrivent même pas à faire des choses que je fais jusqu'aujourd'hui. Hein. Donc, je suis encore là pour plein de choses. Et dans Big Impact 4, comme c'est du 100% belge, c'est-à-dire la Wallonie, Bruxelles et le Flandre. S'il est Wallonie, il présente la Wallonie. Flandre, c'est une Flamande qui est là. Et nous, les Bruxellois, on est là aussi. Donc ça va être ça, l'affiche de Big Impact. Je ne dis pas, je ne dévoile pas le classement. C'est la même chose que le Fiesta Latina tout à l'heure, vous allez voir. Et c'est quoi l'affiche en fait? Le main event c'est quoi? Donc je ne préfère pas le dire tout de suite dans ça, parce que ça c'était beaucoup plus parler. Papa Kanza qui nous a quittés, notre séjour à Kinshasa, bien que j'ai du mal à expliquer ça par rapport au décès du vieux. Et parler un tout petit peu, survoler un tout petit peu comment Fiesta Latina et puis Big Impact. Mais je voudrais profiter pour annoncer aussi qu'à partir du 10 août prochain, c'est-à-dire dans quelques jours, chaque mercredi en fait, le mercredi 10, le mercredi 17 août, on est à la place Bourse. Il y a la ville de Bruxelles qui nous a donné ce coin-là. On va mettre le ring là, vraiment à la place Bourse. On va être là. Donc voilà, ça, on va être là. Et au mois de septembre aussi, il y a aussi deux dates, le 7 septembre et le 14 septembre. On revient encore à la même place. Donc ça sera le moment. Pour moi, je pense qu'ils peuvent déjà dessiner qu'est-ce que sera Big Impact 4. Hein. Ça sera l'occasion parce que je vais mettre vraiment des matchs et des matchs très très sérieux et tout ça. Donc ça commence à 18h. À 22h. Il y a plusieurs disciplines. Il n'y a pas que le catch pour le club. Il y a aussi il y aura un peu de jiu-jitsu traditionnel, mix fighting, jeu de ballon, ainsi de suite. Donc on va faire vraiment. Allez, on va être là sportivement, donc à la place Bourse. Donc ça, je l'annonce. Donc les 10 et le 17 août, le 7 septembre et le 14 septembre. Donc voilà le programme. Merci. Voilà. Qu'on applaudisse très très fort. Maintenant, l'invitation est lancée. L'adresse est là. Les dates sont là, donc c'est à vous de vous apprêter pour vous présenter. Quant à moi, il me reste qu'à remercier l'équipe technique de l'émission Fongola G, sans oublier Sensei Dani Lopez et tous les autres. Quand je dis tous les autres, ils se reconnaissent. Mais tu as deux personnes à remercier, je ne sais pas. Non, je remercie tout le monde, franchement. Si je veux commencer à citer des noms, allez, j'en ai plein. Donc je remercie tout le monde. De tout mon cœur, quoi. Je remercie tout le monde. J'espère vous voir aussi dans le deuil du vieux. Et voilà, comme ça, là, on va essayer de parler de tout et de rien. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Au revoir. Merci. Dames en heren, 26, 27 en 28 augustus. De Fiesta Latina in Brussel, in Bois de la Cambre, met de Brussels Young Wrestling Society en de PPW, Live Catch, Live Wrestling. Ja. U hoort het goed. Alle grote der aarde zullen zich het opnemen tegen elkaar.
Donc, le Fiesta Latina, le 26, 27, 28 août, le Bois de la Combre, avec les plus grandes catcheurs de la BYWS, le BPW, Live Catch, mesdames et messieurs. Ladies and gentlemen, welcome to the live wrestling of the Fiesta Latina in Brussels. Location will be Bois de la Combre. It will be free and the dates are 26, 27 and 28 of August. Welcome. Als het daar staat, vechten doe je niet in de ring. Vechten doe je in de ring en niet op straat. Dus het is niet nodig om te vechten in de straat. Wij doen graag worstelen, maar niet zo graag. Parce que l'image, va nous sommes relaxants, nous sommes dans la poste. Mais vieux, quand ça est vieux, et bien voilà, donc il y a beaucoup de choses à besoin. Toyoka Yomoko, il est en Nengenin, Nemo Moneli, Nengenin. Ce qu'on peut, au Yoka Sosonite, Bisola Legina, Evident Zala, Shao Lek, Kabo, Evident Zala, Nayo. Ce qu'on monique, ah, t'es légité, t'es. Pour qu'elle n'a pas mis de donner bien, t'es. Ah, mais ça va, ça va. Donc, Bisot s'engage, donc voilà. Il y a tout le monde, Toyoka Yomoko. Ah, il y a les Nemo Nene. Pas au monde. Il y a des gens qui ont été en train de se faire pour les mécanismes. Ils ont été en train de se faire pour les mécanismes. Ils ont été en train de se faire pour les mécanismes. Ils ont été en train de se faire pour les mécanismes. Ils ont été en train de se faire pour les mécanismes. Ils ont été en train de se faire pour les mécanismes. Je suis un peu plus de temps. Qu'est-ce qu'il y a dans le téléphone? Ah! Je ne sais pas si tu as un problème, mais pourquoi tu ne peux pas avoir un problème? Bon, ça va, comment tu as un problème? Si tu as un problème, tu as un problème la fois passée, tu as un problème. Donc tu as un problème na Gambia, il y a un problème. Il y a un problème. Voilà, tu as un problème, tu as un problème, tu as un problème, tu as un problème, tu as un problème. Après, tu as un problème. Ah, tout ça, je suis là, 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 je la fois passée, je téléphone là, je suis 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 là, je parce que comme la cabo dimanche passé comme tu t'organiser que kuna parce que comme na ni vedi ma banga bien qui na poko na to soli so atuni le souli kambo bonne idée auto no baki ya vie kanza c'est quoi yango ni question na mibale c'est bon au pc so a fait vert très bien mais tous en les kanza mibale Kinshasa awa na poto est-ce que na Kinshasa va possible je te dis que vous avez ticket hein ya moyo parce que population. Ah oui, naebike te. Pona vie kanza na vie no vie kanza zo ya na Kinshasa. Pona jibile na ye population e kozela yo. Mais ko depend na yo parce que on ta la santé na yo, est-ce que ko permettre yo ko zo avion ko kede ko na Kinshasa ko sala yango, ko za na ba papier ko zo ngao. Ezan la problème te. Est-ce que kuna ce qui moyen te ou bien awo sur place awo. Do you know what I mean? Because photo is to the young woman, make a camera for is a clear. Because I think, oh, I love my camera. Bisho to ye bit, naibi imagine na ope sa mopa ya mi kolom zuzu. Voilà quoi, naibi te susu ki ide zan dinge ni. No, ide zan a obie. Kuna Kinshasa. Na to awa. Awa bien. Awa bien. Po kuna kisesa kuna ebi na bisho tu malada diabetes ya kana mo malada moko zobatro. Omono kendi kuna boye. O komi lo kwa neti Soso va bien t'inquiéter. Alors, nous allons bien. Nous bien, mais tout ça, là, on a le bosso à Awa. Ah oui, bosso à Awa. Le bosso, tout ça, là, on n'a pas trop dit à Awa. Ce dans mon Awa, ça va. Et puis, c'est ambiance, alors, directement, allez.
Parce que la Kinshasa est en juste deux, trois, trois jours, hein, donc ça dit qu'aucun des combien ça les si les pays aux hommes, ça les attaque au Gunuru, mais la Kuna non, voilà. Ce n'est pas ça. Voilà. Mais voilà quoi. Bon, je crois qu'il y a des choses parce que tant que le bas, non, aux hommes, théorité, la théorité, donc voilà. Tant que je me récupère un message à vieux Kanza. Donc viens au Tunaki. Message à moi, viens qu'au cas Tunaki, message à moi, y'a Pekos Tunaki, message à moi, y'a bien ma sponsor, message à moi, y'a moi, vous voyez quoi. Voilà quoi, au Tomone, Kinga Tia, Moutou, les Kambango, c'est le moment, tout ça là, y'a moi. Celle façon de réhonorer ma vie, tant que tu as la mission, tant que tu as toujours sur la boye, des occasions, y'a moi, y'a moi, puisque tu se déplaces qui, tu y es. Ils ont vu Kanza, nous souhaitons, mais Kanza, ils se sont dit, y'a pas qui, y'a ou en a la robe au monde, voilà donc. Ils ont quand même balé tes mises voilà. Donc il y a où on a. On balé qui toco. On balé qui toco. Quand on commente. Quand on boule quand on boule quand on boule quand on se relève. Voilà. Bon, buta monto, bientôt vraiment, tu n'es qui est c'est yenga yamba, tu es comme on a vraiment, car il bamboute bataille qui est en avant. Et vous tout cas, quand on goûte, quand on s'essaye, y en a, y on goûte. Butele, mpanya mono sha ole ke. Tumbaku. Oya makimbi